Bonjour à vous tous. Hello. Là, je trouve que les salles là, se vident beaucoup. Il y a beaucoup d'écho quand je parle. Ça commence à coûter cher des billets gratis, ça. Oh, puis là, je voulais aussi passer un message là, à M. Sylvain Cossette-Trudel. Ça se pourrait-tu qu'il y en ait ici qui essayent de nuire au roi de la nuisance? Oui. Moi, là, j'ai breveté la nuisance, Sora. Oui, c'est vrai, ça. OK? Fait que là, tes petites théories de cul, là, ben, tu vas t'y mettre dans le cul, OK? Moi, j'étais là avant avec l'autonuisance. Je l'ai breveté, même. L'autonuisance, là, ça m'appartient, ça. C'est moi qui ai amené ça dans le monde des conférenciers pis des coachs de la mort, OK? Ouais. Là, ça va faire, là, OK? Là, on est vraiment tanné, là, OK? Là, tu vas prendre ton trou, OK? Tu vas me remettre les clés de la nuisance, OK? Pis tout de suite! Hey! Comment tu veux que je les vende, les livres? Y'a personne dans mes conférences! C'est vrai, ça! Ça commence, ils ont tout volé! Ben oui, t'envoies tout l'argent, toi, hein? Ouais, pis moi, comment tu veux que je veux mettre des bâtons dans les roues quand y'en a plus de bâtons? C'est vrai? Check pas ma ligne! Va te faire excommunier de la Ligue nationale des conférenciers du mal, mon sacrement! Là, je t'ai dit! Mais pour les autres, là, qui sont adeptes des meilleurs conférenciers du mal comme moi, ça, c'est moi ça. Vous savez que vous pouvez continuer de venir à mes conférences, même s'il y a personne, au moins pour acheter mes livres. Donc, en conclusion, je fais un petit peu moins de conférences, mais tu peux quand même acheter tes billets à l'avance.